Ça fait maintenant un an. Joyeux anniversaire de coupe. Joyeux anniversaire de coupe pour FC San Pedro. Et FC San Pedro qui va rejoindre Espoir de Mans, Racing Club de Daloa. AST Boaké, Azida Benguru, la SOA, l'Alliance de Boaké, le CO Boiflé, Issiawasi et le CO Sport de San Pedro qui ont gagné une fois la Coupe Nationale de Côte d'Ivoire. Et ces joueurs-là vont entrer. Fin de cette rencontre avec la victoire du FC San Pedro sur le score de 1 but à 0 devant la FAD. But inscrit à la 46e minute par Jenny Ruffin-Ugnienzou. Et ce seul but a suffi au bonheur des garçons venus de la cité portuaire. Le cœur est toujours orange et noir. On ne vous oubliera jamais. FC San Pedro. Je vous porte dans le cœur. De Côte d'Ivoire, la ville qui abrite le deuxième port de Côte d'Ivoire. Eric, c'est une victoire logique au vu de la saison que nous a démontré le FC San Pedro, mais surtout au vu de ces 90 minutes. C'est clair, l'équipe deuxième classement qui prend le dessus sur l'équipe classée dixième du classement, on dira que c'est logique. Mais au vu de ce qu'on a vu aussi, surtout en cette deuxième période, on a vu une équipe San Pedro qui est mieux rentrée dans cette deuxième période tout de suite. A ouvert le score et après c'est été blindé derrière. On a vu une équipe La FAD qui est venue cogner un gros mur défensif du côté de San Pedro et ça nous donne le vainqueur, un beau vainqueur de la Coupe Nationale de Côte d'Ivoire. Parce que les autres formations vont commencer à lorgner dans votre effectif. Effectivement, et c'est de bonne guerre. Voilà, et les mettre en vacances, fixer très vite la date de reprise des entraînements parce qu'il faut au moins 8 saisons d'entraînement foncier pour être prêt physiquement et puis préparer la technique, les différentes stratégies pour damer la Ligue 1 le plus haut plancher. Oui. Parce que c'est dès le début qu'on cherche à être champion. Hein. Oui, vous savez de quoi vous parlez. c'est dès le début, vous avez vu la SOA hein, qui a été leader pendant 25 journées, oui. Depuis la deuxième journée, alors qu'elle a frôlé la relégation une saison avant. Ça va faire pratiquement un an qu'on remportait cette Coupe Nationale-là. Quelque chose de magnifique, quelque chose de magique. Coucou, salut, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi je me porte à merveille. Ça fait déjà un an que le FC San Pedro a remporté la Coupe Nationale. Voilà, et il faut dire que c'était une saison magnifique, une saison extraordinaire. On a passé les bons comme les mauvais moments ensemble. Vous avez toujours cru en nous. Et nous venons par le biais de cette vidéo pour vous dire merci. Merci pour cette belle saison que vous nous avez donnée, pour votre confiance. Merci au président Chicha, M. Aïtem, M. Kotarek, M. Kemaes, M. Boazis, M. Anne, président Lasso. Nous vous disons merci. Merci. Nous sommes certes loin de vous, mais nous sommes toujours près de vous. Voilà, le cœur est toujours orange et noir. On ne vous oubliera jamais. Salut aussi aux fans et aux supporters du FC San Pedro. En ensemble, que Dieu vous garde. Bonjour. Je fais cette vidéo pour dire merci à l'occasion de l'année de notre victoire en Coupe. Remercier le président Archicha, le vice-président, le directeur sportif et les différents coachs. Sans oublier surtout les coéquipiers qui ont été de cette poupée. En tout cas, joyeux anniversaire de coupe à vous. Et puis, on est ensemble. Je vous souhaite de remporter assez de trophées dans votre carrière. Portez-vous bien, au Sopona. Voilà, coucou. Moi, c'est Nyanzou Jenny Ruffin. Ça fait maintenant un an que nous étions sacrés vainqueurs de cette Coupe Nationale édition 2018-2019. Cela a fait une grande joie dans ma carrière footballistique parce que j'ai été nommé meilleur joueur de cette compétition. Et aussi, je tiens à remercier tous les membres du FC San Pedro, l'entraîneur Gianni Tarek, le staff technique, le président Mohamed Ali Achicha, le préparateur mythique Ramzi Dridi, et aussi à tous mes amis du FC San Pedro. Voilà, l'aventure continue. Et aussi, merci aux supporters du FC San Pedro, et aussi aux fans qui nous ont soutenus dans le bien comme dans le mal. Nous étions toujours ensemble, toujours dans le même bateau, jusqu'au bout. Et avec la grâce de Dieu, on a remporté cette Coupe Nationale. Voilà, on lui dit un grand merci au bon Dieu.
Voilà, big up à vous. Nous sommes toujours ensemble. FC San Pedro, toujours. Et aussi, je prie pour que vous soyez toujours africains. Ciao. Franck Carlos Zouzou, la date du 19 mai 2019 a été une date inoubliable pour nous. C'est là que nous avons remporté la Coupe nationale de Côte d'Ivoire et nous sommes rentrés dans l'histoire du FC San Pedro. Du coup, je tiens à remercier le staff technique pour le travail abattu. Je tiens à remercier le président Achicha pour les grands moyens. Cela nous a permis de nous battre pour ramener ce trophée-là. C'est un plaisir pour nous. Je tiens à remercier aussi les supporters pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Ils nous ont poussés jusqu'au bout. Voilà, on est ensemble, vous savez. On ne va pas tout dire ici, on se prend à San Pedro, on fête ça. Aniki encore, Ourike. Bonjour à tous, moi c'est Ouattara Ousmane, ex-capitaine du FC San Pedro. Ça va faire pratiquement un an qu'on remportait cette Coupe nationale-là. Quelque chose de magnifique, quelque chose de magique. Donc je suis là pour remercier certaines personnes qui ont cru en nous, de près ou de loin, qui nous ont soutenus. Donc je suis là pour dire merci au président M. Achicha Mohamed, au vice-président M. Bouazid Abdelkarim, M. Gianni Tarek, le coach, le préparateur physique Ramzi, les deux directeurs techniques, M. Aitem et M. Kemaes, les supporters aussi de San Pedro qui ont vraiment cru en nous. C'était pas facile, mais on a pu réaliser ce rêve-là pour le club. Et nous, ça nous fait énormément plaisir. Un joyeux anniversaire de coupe au FC San Pedro. Et je souhaite aussi bonne chance à tous mes collègues qui sont encore au FC San Pedro. Bonne chance pour la suite et merci encore. Bon, gardez nos sorties de l'effectif. Et voilà le capitaine Ouattara qui soulève, qui brandit le trophée remis par le ministre des Sports. Là maintenant, on va bien soulever le trophée. Voilà. Vainqueur de la Coupe nationale saison 2018-2019. Les garçons du FC San Pedro. On va faire toutes les photos, ça va rester pour la postérité. Quand. Absolument, ils rentrent dans l'histoire de l'équipe de San Pedro, ces joueurs-là. Ces noms-là vont rester gravés à jamais dans cette équipe-là. On se rappellera de ces joueurs-là pendant des années. C'est eux qui auront remporté la première.